et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, eh ben c'est pour le dernier signe, pour le tirage sentimental. Laissez-moi deviner. Ah, je pense. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est votre signe? C'est le signe de votre autre? C'est votre ascendant? Bon, on verra tout de suite. Ah, tout de suite et maintenant, d'ailleurs. Allez, c'est parti. À tout de suite et maintenant. Bon, bah c'est parti, tout de suite maintenant. Donc, le dernier signe, le voilà. Hein, je vais quand même mélanger, oui, pour le suspense. Ensuite, je vais vous proposer un tableau avec un des deux mangas que j'ai. Franchement, c'est super sympa. Moi, j'adore l'illustration. C'est un oracle spécial sentimental qui s'appelle Love You. Oui, je vais juste chercher la première carte. Vous voyez, tu es où, la première carte? Tu es où, la première carte? Ah là là. Voilà, Love You, comme ça. De chez Tu Magique, T-U, plus loin, magique avec un C. Donc cet oracle, vous le trouvez sur Etsy. Cet oracle est composé de 70 cartes avec le signe astrologique. Et oui, c'est super sympa. Moi, je l'ai retiré puisque c'est un tirage général, mais vous pouvez très bien le laisser hein, pour votre tirage perso. Ensuite, vous avez le 8 et le non, vous avez les 4 saisons, donc ça vous donne une notion de temps. Suivi de 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur et 3 questions-réponses avec mon grimoire spécial amour, oui c'est marqué là, hein. Donc, je veux que des questions spéciales amour, sentimentales, sexe et rien d'autre. Alors, à la limite, une petite dérivée, vais-je avoir un prêt immobilier avec mon autre, mon bien-aimé? Oui, allez, voilà. Est-ce que je vais acheter une voiture avec mon bien-aimé? Ah, s'il y a une petite dérive comme ça avec, avec votre autre, oui, oui, vous pouvez... Attention à la dérive, hein. Parce que vais-je faire un plan à 3, à 4 avec, avec mon bien-aimé? Tu crois que je t'ai pas entendu peut-être? Si, si, j'ai entendu. Bon allez, qui c'est qui s'est permis? Ah bah, tu m'étonnes, celui qui est déjà 2 de base, donc forcément, il se dit 2, pourquoi pas 3, 4, hein, les jumeaux là. Bon, bienvenue à vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. On se détend. On arrête de rigoler. On se détend. On se relaxe. Dans la position que vous avez envie. Debout, couché, assis. Bon, moi, j'ai pas le choix. J'ai pris assis. Allez, on respire. On m'envoie toutes les ondes positives que je puisse capter, s'il vous plaît. Allez, je vais me faire de la place et c'est parti. Les, j'allais dire les jumeaux. Allez les Gémeaux. Ici, nous sommes dans une période de deuil. Oula. Alors, c'est quoi? C'est abstinence au sexe? C'est un vrai deuil? C'est une séparation? Ici, on fait le deuil peut-être tout simplement d'une union, hein, d'un mariage, d'un pax. On dit non. Donc là déjà, il y a peut-être séparation, mais on n'arrive pas à faire son deuil. Ça c'est possible. Ici, on parle de solitude. On parle d'enfermement. C'est un vrai deuil, là? On pourrait presque le penser, là. Alors, on parle d'illusion, on parle de masque, on parle de fausseté.
On parle de triangulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la petite dernière, 7. Et on parle de changement, de renouveau, de nouveau départ. Je décale quand même pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez. Donc ici, on fait le deuil. C'est un peu comme une femme qui accouche. Plus jamais je ferai l'amour. Ça fait trop mal. Je veux plus de gosse et accouche-moi. Ça fait mal. Là, je fais le deuil. C'est pareil. Hein. Fini. Je me mettrai plus en couple. Plus de sexe, plus rien. Ben là, j'ai vraiment l'impression que... Oui, oui. Hein, parce que là, il y a carrément l'isolement. Hein. C'est carrément je ne veux plus voir personne. Foutez-moi la paix. Donc, je fais le deuil de quelque chose d'officiel. Donc, ici, ça peut très bien être un divorce. Hein. Divorce, séparation. Ici, on dit non. Donc, moi, je dis oui, dans le sens où, oui, il y a bien séparation. Oui, il y a bien divorce. Mais oui, aussi, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a imposé. J'espère que c'est pas une dépression, là, quand même, ici. Hein. Ça, c'est un pourri. Hein. Et alors, vous faites une dépression, pourquoi? Vous faites une dépression pour quelqu'un qui s'éclate, là, ici, hein, triangulaire. Donc là, la personne, elle s'éclate. Hein. En plus, elle vous raconte des conneries, ici, avec des fausses croyances, des masques. « Mais ouais, chérie, t'inquiète, je t'aime. Mais oui, tu es mon grand amour. » Et ici, on parle de changement, de nouveau départ. Et ça, vous pleurez. Alors, j'espère que vous pleurez pas ça longtemps, quand même. Hein. Non, franchement, on va pas s'isoler pendant des années pour une personne qui s'éclate, qui fait la fête. Bon, ici, nous avons la tristesse. Et si, moi, à mon avis, on a bien la dépression, ici. Hein. L'officialisation, il y avait de la routine dans le couple. On dit non. Non au questionnement. J'en ai marre de réfléchir. J'en ai marre de me poser des questions. Solitude. On parle du printemps. Solitude, le printemps, c'est le bourgeonnement. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a enfin une réponse qui a bourgeonné dans ta tête, là. Hein? Donc c'est un peu ce que je viens de dire. C'est pourquoi moi je pleure chez moi alors que l'autre est en train de s'éclater. L'autre, il n'est pas en train de penser qu'il m'a fait mal. Donc pourquoi je reste enfermée chez moi là à la maison? Alors j'espère que c'est ça. Hein? Le doute avec le printemps. L'illusion. La jalousie, le manque. Manque de confiance en soi. La triangulaire. Allez, la triangulaire. Ici, nous avons la consultante. Donc, vous choisissez. Hein. Donc, si vous êtes une femme, la consultante, bien évidemment, c'est vous. Si c'est un homme qui regarde cette vidéo, donc logiquement, la consultante, c'est votre autre. Si c'est deux hommes, eh ben, tu choisis. Hein, c'est toi qui vois. Et si c'est deux hommes, eh ben, c'est pareil. Hein, vous êtes dans la merde, vous voyez. Bon, à mon avis, s'il y en a un qui est en train de pleurer et l'autre qui est en train de s'éclater, moi, à mon avis, tu sais très bien qui est la femme et j'ai pas d'autre. J'ai personne. Donc, qui est la femme et voilà. Ici, on parle de famille. De cercle familial. Donc, deuxième rangée. Je ne vais pas le redire. Hein. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui est tombé dans la grosse dépression. Hein. Hop, ça c'est toute la partie là. Ici, il y a quand même un bourgeonnement de quelque chose.
les doutes, à mon avis, tu as dû trouver une solution. Alors la solution, est-ce que c'est de lui préparer des champignons vénéneux, hein? Attends, chérie, je vais te cuisiner une omelette. Un peu comme dans Astérix et Obélix, là, oui, je vais te préparer une omelette. Tu verras, elle est super bonne, l'omelette. Ici, on parle d'illusion, de fausseté, on parle de triangulaire, on parle de la consultante. La consultante qui est dans la triangulaire, alors est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle le subit? Juste à côté, nous avons le cercle familial et nous avons le changement. Donc ça, c'est sûr que pour l'autre, en tout cas, la triangulaire va bien changer les choses, hein. On parle de nouveau départ. Peut-être qu'elle va rester plus avec sa famille pour l'aider un peu à remonter la pente. Ça, c'est possible aussi, hein. Nous avons le lâcher prise. Oui, peut-être qu'effectivement, le fait de pleurer, tu as éliminé toutes les larmes négatives, tout ce qui est néfaste de ton corps, tu l'as rejeté par les larmes. Oui, en tout cas, c'est très bien, ça évite les ulcères. Ouais, c'est. Officialisation, la routine. Oh là 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 là, ben là, y a, oh là 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 là. Ah, sacrée routine. Moi, chérie, viens que je te fasse un gros câlinou. Nous avons l'hiver. Nous avons le manque de dialogue. Nous avons la froideur. Mais nous avons également la saison de l'hiver. Nous avons la réconciliation. Nous avons l'impasse. Oui, bon, ça, on a bien compris, hein, que de toute façon, dans le couple, c'était votre amour véritable. C'est juste que l'autre, il ne l'a pas vu, c'est tout. Et ensuite, nous avons la rencontre au travail. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail. C'est peut-être quelqu'un qui vous a travaillé. Hein, ouais, la relation là vous a fortement travaillé. Ça peut très bien être quelqu'un qui fait des sites de rencontre pendant le travail. Relation karmique, alors là c'est pareil, hein, si je peux donner un conseil, vu que dans le passé vous y étiez déjà ensemble, vous avez réessayé à cette époque ici, surtout ne réessayez pas dans le futur, hein, si vous vous retrouvez, ça sert à rien. Vous avez déjà essayé là, ça fait au moins 2 fois que vous essayez. Et ça va pas. Donc voilà, à un moment donné, il faut prendre du recul, hein. Faut faire comme Hankook, c'est Hankook le film. Ouais, vous savez, quand il retrouve son autre, à un moment donné, il faut faire un break, il faut arrêter. Faut plus se croiser à un moment donné. Bon. Allez, récapitulatif. Ici, on parle bien d'une personne qui est dans une dépression, hein. Bon, à un moment donné, elle a su lâcher prise grâce aux larmes, c'est ce que j'ai dit, hein, de la dépression, très certainement. En tout cas, c'est bien, il n'y a pas d'ulcère à l'estomac. On continue à pleurer, oui, c'est bien. Et l'officialisation, on voit bien qu'il y avait de la routine dans le couple. La routine, c'est peut-être également des mensonges, des coups bas en permanence, hein. C'était routinier. Ici, on dit non au doute, non au questionnement, non à la froideur. Oui, c'est vrai, ne restez jamais sans une réponse. Si vous ne l'obtenez pas de l'autre, obtenez-le de vous-même. Faites un monologue. Si, je vous assure, à un moment donné, si vous avez affaire à une personne qui ne parle pas, je l'ai déjà fait, moi, il y a longtemps. Je commence à discuter le monologue, la personne, elle ne parle pas. Donc, je supposais ses questions, enfin, ses réponses. Et à un moment donné, j'ai réussi à me disputer avec moi-même et l'autre il fait oh! Je fais bah quoi? Je dis tu vois pas que je suis en train de t'engueuler? Il fait mais j'ai rien dit! Je dis bah justement, j'ai parlé à ta place. Si t'as rien dit, c'est que tu m'as pas contredit. Hein, tu vois le mental, oulala, ça remonte loin. Hein. Oui, ça chauffe, hein, Sandra.
Donc ici, on se sent seul dans son couple. Les doutes, on n'en veut plus. Donc à un moment donné, on réfléchit et là, ça bourgeonne. Réconciliation, pardon. Oui, c'est bon, chérie, t'es con. J'ai bien compris que tu changes pas, hein. Non, on ne change plus. Donc, on parlait pas de séparation là, ici, à quelque part. Faire le deuil. Ouais, on a ici. Alors, est-ce que vous vous êtes séparés ou est-ce que c'est uniquement un deuil mental? Vous n'osez pas franchir le pas là. Ici, on parle d'illusion, on parle de jalousie, on parle d'être dans l'impasse. Bah, si ça va pas. Ah oui, je sais, il y a l'amour. C'est marqué l'amour véritable, on parle de relations. Lien karmique, on parle de famille, d'enfants peut-être. Oui, c'est vrai. Bon, on parle de triangulaire, on parle quand même de changement au sein de la famille. On parle quand même de pause ici. Ah, tu la vois pas? Hop, on parle quand même de pause là, de pause, de break. Oui, à un moment donné, quand c'est trop, hein. Moi, je pars toujours sur un principe, c'est comme au boulot. Plus tu dis rien, plus tu es gentil, et mieux vaut pas trop te retourner parce que, tu vois ce que je veux dire, hein, ne te baisse pas trop non plus. Ouais, c'est un peu comme au boulot, hein. Tu es trop gentil, ben. On s'imagine que c'est porte ouverte à toutes les dérives. Allez, 5 messages. C'est calme, hein, quand je dis rien. Allez, premier message. Ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, enfin, adapte-toi, il y a des limites quand même, hein. Alors, si c'est trop lent, à un moment donné, il faut peut-être dire, oh, tu accélères un petit peu. Et si c'est trop rapide, ben, c'est toi qui vois, hein, d'une façon. Concrétisation des projets et manque de douceur. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel, adapte-toi peut-être à sa connerie. À un moment donné, on ne s'adapte plus. Même si on est marié, même si on a des enfants, même si on a une maison, un chien, un chat, ce manque de douceur, à un moment donné, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment donné, on ne s'adapte plus. Oui, ça devient routinier, un peu comme tout à l'heure, là. Prise de conscience de ton âme sœur. Oula. Nouvelle rencontre proche, répétition des schémas. Eureka, ton âme sœur a réfléchi. Ouf, il a réfléchi à quoi? À une nouvelle rencontre proche. Répétition des schémas. Est-ce que c'est répétitif auprès de ton autre? Oh bah tiens, si j'allais rencontrer quelqu'un d'autre, si j'allais foutre un peu le bordel à la maison. Par contre, il n'y a jamais schéma répétitif avec un aspirateur. Hein, t'as remarqué? Ici, tu t'imagines. Prise de conscience de ton âme sœur. Ici, ton âme sœur avec un balai ou avec un aspirateur. Et répétition des schémas. Il n'y a pas ça. C'est dingue quand même. Mais pourquoi? Ou la cuisine en train de faire à manger? Non. C'est toujours une histoire de queue. Pourtant, l'aspirateur ou le balai, il y a aussi une histoire de. Ça doit être une histoire d'ego après, je pense. Bon, ici, on parle de blocage matériel, blocage financier. Bon, ça commence super bien. Fais le premier pas. Et ici, on parle d'âme sœur spirituelle.
Bon, blocage mémoire. Ici, vous êtes bloqué matériellement, financièrement, et on dit fais le premier pas. Fais le premier pas, moi je te dirais déjà de résoudre tes problèmes matériels et financiers avant de résoudre. Alors, est-ce que c'est toi qui vas faire le premier pas pour ton autre, pour régler son problème? Non, c'est bon, c'est pas un ado, hein. Ton autre, il peut régler ses problèmes financiers, matériels, tout seul. Ce soit féminin ou masculin. Ici, on parle d'âme sœur flamme jumelle. On parle d'une personne qui est blonde et on parle de mensonge. Pas génial. Es-tu en compagnie d'une personne blonde qui fait croire que, oh mon cher, je t'aime. Et en fait, c'est que de la compagnie créole. Au bal masqué, oui. Allez, dernier message. Bon, j'espère qu'il y a quand même quelque chose de sympa là. Alors, n'écoute pas les autres. Oui, fais ce que tu veux. T'as le droit d'écouter, mais de toute façon, la décision finale, c'est toi qui prends. Pause émotionnelle, relationnelle, et ici on parle de divorce. Alors j'imagine bien, mais arrête de pleurer sans arrêt. Sors, bouge, oui, tu t'es séparé, oui, t'as été trahi, oui, t'es cocu. Non, ça, tu. Non, ça, faut, non, ça, personne ne le dit d'ailleurs. Oui, c'est vrai d'ailleurs, hein? T'es en train de pleurer à la maison et jamais t'as une amie qui vient à la maison te dire, mais arrête donc de chialer, t'es cocu, mais t'es pas la première, allez. Tu ouvrirais une deuxième fois la porte. En même temps, c'est la vérité. Hein? Regarde, divorce, pause émotionnelle, relationnelle. Puis elle rajoute, mais t'es con quoi? Franchement, tout le monde le savait. Là, t'es bien pour enfoncer le. Bon, allez. Une, deux ou trois questions au choix. Alors, ça ne sera pas facile, mais tu peux le faire. La réponse se trouve dans la musique. Ouais, c'est vrai que. Moi, quand j'ai un coup de mou, je vais sur mon synthé. Par contre, je peux très bien. Après, j'ai un coup de cul, hein, dans le sens où quand j'ai vraiment un coup de pas bien, je peux jouer 4-5 heures d'affilée. Je peux te dire qu'après, que quand je me relève de mon petit siège, j'ai le cul qui est rond, là, comme. Bon, allez. C'est très probable. Bon, les Gémeaux, bah super, je vais pouvoir attaquer le tirage général. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai un Facebook. Ça fait un moment, mais bon, c'est toujours bien d'en parler si jamais ça t'intéresse. Tu retrouves de toute façon les vidéos hein, de chez YouTube, mais peut-être que voilà, au moins, tu peux t'abonner aux deux. Hein. Oui, c'est comme ça, j'abrège, tu peux t'abonner aux deux. Bon, les Gémeaux, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire, de vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vais attaquer le général. Merci, au revoir.